Donc maintenant on va voir comment ça va se passer. Je mettrai une pièce évidemment sur Denpushi. Parce que c'est pas lui l'outsider. Et il est très très bon, vraiment toutes les fois où je l'ai vu jouer il est extrêmement impressionnant. Donc on va voir ce qui va se passer, est-ce qu'il est dedans, est-ce qu'il a ses inputs, est-ce qu'il a ses nerf loops. Donc là il perd pas de temps, hein. Il prend directement ce contrôle de terrain qui va lui coûter une inversion de position. Ça c'est la pire chose que tu puisses espérer en tant que joueur Smash, c'est l'inversion. C'est le reverse finalement. Là on va prendre, on a plus de jump déjà, on a plus de jump. Et là on a déjà plus de jump et on perd la stock en une demi-seconde. Il a pas joué. C'est abominable. Il a pas joué. Et alors j'espère que du côté de Roy, soit on va remonter cette game, soit on va profiter de cette game pour télécharger le comportement de Denpushi. Est-ce qu'on va réussir à prendre la stock aussi rapidement qu'elle a été prise? Jab F smash, ça vient maintenir Sora sur le côté qui va tenter de revenir avec des nerfs en mettant sa grosse clé en avant histoire de pas se faire taper. Attention, attention, c'est de ça que je parle, c'est de ça que je parle, c'est de ça que je parle. Et là on a pris 50, et là on a pris 66, et c'est pas terminé, oh, et on continue à prendre, et le coup de tard. Le match-up a l'air horrible finalement. Absolument incroyable, une connaissance du match-up qui fait peur. Ok, le jab back air, on va venir même chercher ce fer. Bon, Sora revient, parce que c'est Sora. Très très belle phase de la part de Denpushi, oh. Mais il l'a jeté dans la blast zone, magnifique de sa part. Et c'est magnifique ce donner. Magnifique. Bon, on a quand même une soc de retard. On a du répondant. Du côté de Kaliae, on a du répondant. On prouve que on n'est pas n'importe qui quand même. Même avec cette soc de retard, ça devient compliqué. Hop, B, on va maintenir l'avantage. Le contrôle de terrain revient toujours à Sora. Par contre, on va punir avec un père South Spot. Je sais plus comment on dit. Sour Spot, Sour Spot, c'est ça? Ouais, Sour Spot. Hein. Donc là, on repart sur une phase de neutral. Ça tape un peu dans tous les sens, hein, vraiment. Ça tape dans tous les sens. On a l'avantage du côté de Kaliae. Au niveau de la position, mais non, en fait, on se fait corner petit à petit. On va prendre l'éclair. Non, on l'a pas pris, heureusement. Et on n'arrive pas à trouver d'ouverture pour Sora, pour Roy, pardon. Ok, l'ouverture pour Sora avec le back air. Attention, oh, attention, attention. Pas de loop. Pas de loop. On va le retenter. Et comment il va se encore une fois sur ce côté. Encore. Oh, très bien joué. Très très bien joué. Attention, on va le tenter. Et heureusement, ça touchera pas pour Sora. Dommage. On est coincé quand même sur le côté, mais quand tu crois que t'es coincé, en fait c'est Sora qui est en train de zoner. Alors, side B très bien trouvé de la part de Roy qui permet de mettre Sora dehors. Alors malgré qu'on était en 3 stocks contre 1 stock, on se laisse pas faire du côté Kaliae. Vraiment, on arrive à remonter petit à petit, on pourrait presque avoir peur du côté de Denpushi. Mais on s'est laissé surprendre en début de game. Attention, mais si on perd cette stock du côté de Denpushi, ça peut devenir très flippant. Et ça peut partir très vite à 93 quand on est face à Roy quand même. On est face à Roy, attention. Il essaie de punir le side B, ça se punit pas. On part avec une pari, mais je pense que ça me paraît compliqué à faire. Attention, le Saibé qui va pas faire le bon hit. Dommage, malheureusement, on va tenter le der du côté. Non, malheureusement, on va juste se faire douiller. Ah, les douilles qui permettent à Sora de dégager du terrain. On se déplace du côté. Son nerf. On se déplace du côté de Kaliae, on se déplace, hein, on a des mouvements, on bouge. On vient inverser les positions, mettre la pression. Faut venir prendre. Oh, j'ai tellement vu le faire et quoi. Le F smash, est-ce qu'il était voulu? Pardon? Un F smash depuis le corner adverse, mais c'est extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Ouais, bah là il avait utilisé son double saut, s'il reculait pas, le smash était gratuit. Je tiens à noter quelque chose que je n'avais pas remarqué. Triple team du côté de Denpushi, le mec est voulu. De quoi? Ah, un triple team, on est dans la team GGO, ECR et POM. Ah, vraiment le mec est... Le man est voulu. Le man est voulu. Le mec a dû porter 3 maillots en même temps. C'est quoi le truc horrible que j'avais vu une fois? C'était des gars, ils étaient amusés à prendre le maillot du PSG et de l'OM et de les fusionner ensemble. Ah, c'est abominable. J'ai vu ça aussi avec l'ASS et l'OL. Ah, c'est horrible. C'est abominable. Mais ils devraient faire ça. Absolument abominable. On est dans mais là, table. Bon, game 1, la game de l'analyse. On voit que Denpushi connaît le match-up. On voit que Denpushi sait quoi faire. Vraiment, la première et la deuxième stock sont partis très très vite du côté de Kaliae. On a réussi à remonter, on a pas abandonné. Hein. On ne démord pas. On a commencé à remonter. On aurait presque pu avoir peur du côté de Denpushi si on perdait la stock. Donc là, game 1, on va voir si c'est adapté ou est-ce qu'on va voir si Denpushi va dérouler. Ouais, Denpushi a l'air d'être bien parti. Après, on a senti quand même que le début de game c'était très très difficile pour Roy. On a réussi à essayer de remonter. On a choisi une très bonne musique de Persona. Et ça part, mesdames et messieurs, pour cette deuxième game là où Denpushi montre quand même une supériorité assez flagrante. Ouais, c'est vrai que là on a fini sur un 2 stock. Un 2 stock, il faut trouver des solutions du côté de Kaliae, il faut trouver une manière de jouer, il faut trouver des options qui marchent parce que là malheureusement on n'a pas grand chose. Alors on va prendre seulement 30%, phase de neutral, on n'est pas vraiment en désavantage du côté de Kaliae, on est en désavantage du côté de Denpushi qui aurait pu prendre une sale sauce et là on prend 90%. Qui va lui coûter si cher. Oh là là, très belle tech, est-ce qu'on remonte quand même? Oui, bien joué, le backer en plus. Très bien vu l'inversion de position, on garde l'edge. Comment on va faire pour se débarrasser de Sora? Attention! Sora qui se débarrasse de toi. Attention! Oh, oh,
42%. Et ben voilà, Sora qui s'en sort très très bien et qui montre encore une fois que la game d'avant n'était pas comme Nyoru et son collègue Mario. Attention. Mais bel et bien que il mérite ce qu'il est en train de lui mettre. Là pour l'instant c'est difficile du côté de Kaya, il faut garder le mental, il faut garder le mental, il faut trouver les solutions, il faut réfléchir. Allez, qu'est-ce qu'on va chercher? Dash attaque. Bien joué. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Un désavantage de Unstock, oh, c'est énorme Unstock. Heureusement qu'on a Roy. Roy est un personnage qui remonte, il faut pas lâcher, il faut pas démordre. Ouais, Roy va pouvoir peut-être remonter sur cette phase. Une phase de ledge rap qui commence à l'avantage de Roy qui va pouvoir toucher ce side B qui ne va pas connecter jusqu'au bout, pas de stock de prise. Et même une inversion. Attention avec si ça passait, ça aurait pu être très dangereux. Ouais, mais le backer pour se débarrasser des emmerdes. Quoique, on se met peut-être tout seul dans les emmerdes. Ok, c'est bon. Roy qui arrive à garder cet edge. Neutral B. Ok, dommage, il y avait quelque chose à aller chercher, mais on ne le trouvera pas. Et du côté des bouchers, on va tenter un counter qui ne va amener aucune punition. Dieu merci. Le backer qui va pas mettre le bon hit, malheureusement, qui aurait pu prendre la stop. Quelle réactivité! Quelle réactivité! J'ai bien aimé, c'était une belle instru. Ah, j'ai adoré. Si ça peut continuer sur ça. Oh, mais le F-Smash, tout là-bas. T'as vu où il tout là-bas. À 130. Ah là 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 là. On est à 150. Est-ce qu'on meurt sous Destro? Est-ce qu'il a Destro qui tue? Denpushi, c'est la question que je me pose. Ah, je me demande si ça. Je crois pas que ce serait Destro. Je pense qu'il a pas Destro qui tue. Est-ce qu'il a besoin de ça après? Ah, mais il a tellement un kit complet que j'aurais tendance à croire. Très belle DI de la part de Kaliae qui va réussir à remonter. On n'a pas réussi à avoir le counter du côté. Et là, je pense que c'est terminé. Oh, on l'envoie tout en bas, mais on remonte quand même. Il veut pas lâcher. Le héros de Shonen, c'est lui. Allez, qu'est-ce qu'on va chercher? Le back air, ok. Là. 67% là. Roy tue. Ah, il a cherché le quel homme, quel homme. Il a tellement voulu tout river. Et sauf que le petit il fallait le tenter, catch. Il fallait le tenter. Il faut être une tête brûlée. Il a bien raison. Le faire. Très bien joué. On va chercher Sora dans son domaine de prédilection. Stadia Laser. Il veut aller chercher ce donner hein. Il veut conclure la stock assez rapidement. C'est très très difficile. Upper. Attention. Fair. Attention. Ok. Oh là 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 là. Très bien joué. On revient à Even alors qu'on avait une stock de retard. Et ouais, revenir à Even, c'est dans la meilleure des mondes. Ah là là, l'air dodge, très mauvais l'air dodge, attention. Non, 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 très bien joué. Ok, Ner, qu'est-ce qu'on ferait ensuite? On va venir danser devant, pas se faire toucher. Les hitbox de Sora, on veut pas se les prendre faire. On bouge, on bouge, on bouge. Pas de side B, c'est dommage. On bouge du côté de Kaya, et là, on nous propose quelque chose d'une phase d'avantage complètement incroyable. Oh là là. Allez, on vient garder cette edge pour Roy. Roy qui va faire sa danse. Sa danse pour attirer le Sora. Le Sora qui va pas réussir à passer. Il bouge tellement, il bouge cet homme, il bouge tellement. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Sora qui envoie des boules de feu, qui essaye de creuser du terrain. On est tellement en difficulté, 97%, la stock peut très très vite partir. Oh. On va trouver ce fer pour un contrôle de terrain qui est offert. Attention, ok, le B qui vient de sortir des emmerdes. Attention, attention. Il a, heureusement qu'il a drift out. Très bien joué ça, très bien joué. Du côté de Kaya, on est en confiance, on bouge bien, on sait quoi faire, on n'a pas peur. Du côté de Denpushi, on est dans le corner, on a peur. On arrive à avancer, très bien joué, la dash attack. On vient mettre juste la pression sur le shield, donc commit pas, mais ce backer qui va lui offrir le contrôle de terrain peut le mettre très très la bien. La petite douille, très bien joué pour reprendre le contrôle juste ennemi, on n'y arrivera pas, parce qu'il a été plus réactif du côté de Kaliae. Un coup de Roy et la game se termine et on gagne le 1-1. Allez, on vient chercher l'égalisation, peut-être pour Roy. Allez, situation de la site, attention. Il avait tellement tenté de jouer le RPS. Ok, allez on avance du côté de Kaliae, il faut la prendre cette game. Si on la prend, on peut peut-être gagner le set, parce qu'on sera en confiance. Allez, on s'est adapté, on a trouvé des choses, du côté de Kaliae peut-être. Allez, on est coincé. Attention, la dash attack. La tuerie de jouer. Oh là 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 là. Qui le condamne. Et on perd la game qu'il ne faut pas perdre. On perd la game qu'il ne faut pas perdre. Une adaptation colossale du côté de Kaliae. Mais bien joué à Denpushi qui sécurise le D0. On est en confiance, on est à l'aise, on peut se permettre de perdre des games. Et là ouais, là c'était tellement tellement difficile à la fin. Se retrouver face en bas et Sora qui fait va bien jouer. Je tourne sur moi-même. On est dos au mur du côté de Kaliae. On est dos au mur. Le héros de Shonen qui nous a prouvé qu'il pouvait remonter. Il était une stock de retard, il a ramené le last hit. Allez, il peut le faire. Il peut le faire. C'est un héros de Shonen. Pas le temps de faire l'histoire. C'est le moment de faire une pause, c'est le moment de souffler, c'est le moment de trouver quelque chose là. Il va falloir trouver des solutions. On a trouvé des solutions. On a réussi à ramener Sora en dernier stock. Maintenant, les endroits où on a du mal, c'est trouver de quoi conclure, trouver une ouverture. Face à un Sora qui pose des hitbox devant toi et qui te dit, si tu essayes d'approcher, tu vas te prendre ma grosse clé. Comment faire? Comment trouver cette ouverture? Il est vrai. Il dit complètement la vérité. Il a complètement raison. C'est très difficile d'approcher Sora. Mais il faut réussir à trouver la faille dans le gameplay de Denpushi pour mettre une grosse phase d'avantage du côté de Kaliae. On l'a vu, les déplacements, c'est la clé. Quand il bouge bien, il fait des ravages. Oui. On a vu sur ces phases de d'edge guard, d'edge trap pardon, là, où le Roy danse et attend seulement l'erreur de Sora. Et là c'est maintenant. Mesdames et messieurs, on part encore c'est une maintenant. Fois sur PS2. Est-ce c'est que maintenant. Ça serait pas maintenant de s'empêcher de se prendre un 3-0? Allez, dans ce set? Faut écrire l'histoire, j'en veux plus. Je veux plus de game.
Je veux pas que ce soit la dernière parce que vraiment le gameplay est absolument incroyable. Je veux que ça continue. Je veux qu'il aille jusqu'au bout ce bon vieux Kalayae. Et là malheureusement il est en train de prendre une grosse phase. On veut la game 5, on veut la hype. Déjà 80% et en plus attention le ner, on est dehors maintenant. Et on est en bas, et on est en bas, et on meurt là-dessus. Et là c'est démoralisant. Et là c'est démoralisant, on est dos au mur, on a une stock de retard, c'est démoralisant. À moins qu'on vienne capitaliser sur un boss de nerf. Il avait malheureusement, il a pas eu de réussite, c'est abominable, là c'est le pire scénario. Là, c'est très compliqué, seulement 56%, on trouve pas d'ouverture, qu'est-ce qu'on fait? Le fer qui va venir trade, mais qui lui permet pas de prendre une phase d'avantage. Par contre Zora lui va pas se laisser démener, quoique Side B va le mettre dehors. Il va lui falloir de la réussite là, il va lui falloir de la réussite à Kaliae. Il va lui falloir de la réussite là, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe, n'importe quoi. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On garde cette edge. On arrive à mettre de la pression seulement avec les bombes, mais on arrive à trouver son ouverture. On avance, et là, et là, et là. Oh là 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 là. Non, pas encore. Pas encore. C'est tellement échec et mat. Il peut rien faire, c'est échec et mat. Quand il passe par le bas, c'est un échec et mat. Quand il passe par le bas, juste, j'ai un contre, bien joué, GG ou EP, go next. Allez, peut-être. Allez, le héros de Shonen, quelque chose, il peut le faire. Il a remonté une stock tout à l'heure, peut-être qu'il peut en remonter deux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Side B, 103%, allez. Il faut capitaliser sur tes edge traps. Et non, on passe, on se fait avoir par le multi-side B de Denpushi. Il est impitoyable, cet homme, il est impitoyable. Oh là 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 là, mais là là, on parlait d'adaptation, mais là c'est Denpushi qui s'est adapté. C'est le mauvais scénario. Et ouais, Denpushi qui est en train de dérouler la game. Oh là là, il va pas finir sur le 3. À 103%, faut peut-être essayer de tuer le nerf. Pas de match, pas de. Allez, mais ça, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas 3-0, autoritaire. Ah, il est impitoyable. Autoritaire.